L'élevage du porc est cité parmi les activités agricoles qui occupent la population togolaise. Le secteur prend de l'ampleur aussi bien en milieu rural que périurbain et est caractérisé essentiellement par un aspect traditionnel. Les dernières estimations de la direction de l'élevage évaluent cet effectif à plus de 1 million 100 têtes. Bon, nous, dans la région maritime, c'est environ 155 000 têtes. Les zones de grande production, c'est essentiellement la région des savanes. En grande partie, les porcs locaux sont élevés dans la région des savanes. Les femmes sont majoritairement rencontrées dans cette filière et occupent une place importante. Il y a une dernière étude que nous avons menée au niveau national qui a pu démontrer que il y a plus de 42% de femmes qui font l'élevage de porc, ce qui n'est pas le cas dans les autres spéculations. Chez Madame Afiwa, dans la préfecture de Vaud, région maritime, la transformation de la viande du porc est une véritable entreprise familiale, communément appelée en langue locale Vaugan Havisipé. Ici, les clients ne manquent pas. L'élevage du porc, malgré son apport dans le secteur agricole, reste une filière sous-développée avec de nombreuses difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Donc, d'abord, la provende pour les animaux. Actuellement, sur le marché, les aliments coûtent très cher. Donc le prix, on achetait le soja par exemple à 22 000 poussières, présentement c'est à 27 000, le sac de 50 kilos. On n'a pas de son de riz présentement dans la localité. Je viens d'appeler quelqu'un à Lomé pour qu'on m'en cherche au niveau de d'Apaon. On n'a pas un syndicat intercristal. Ça fait que au moment de, comment on fait, de sortir les animaux, par exemple pour la vente, quand on n'est pas organisé, ça se passe comme ça. C'est le client souvent qui a le dernier mot. L'autre difficulté majeure rencontrée dans le secteur se situe sur le plan sanitaire. En effet, les éleveurs sont confrontés à des maladies, notamment la peste porcine africaine, PPA. Effectivement, la peste porcine africaine, c'est une réalité au Togo. En 2019, nous avons été victimes de la peste porcine africaine. Lorsque ça rentre dans ton parc, tout doit être abattu. J'avais perdu au total 150 porcs. Dans la lutte contre cette maladie, à travers son service contrôle vétérinaire, la direction de l'élevage intervient sur le terrain. Mon travail, c'est de leur signaler qu'il y a un cas suspect de peste porcine. Puis l'équipe de la direction de l'élevage dépêche une équipe de laboratoire qui vient faire les prélèvements. Et c'est après prélèvement et confirmé par le laboratoire que la direction de l'élevage prend les dispositions. Mais concrètement, qu'est-ce que la peste porcine africaine? La peste porcine africaine, c'est une maladie redoutable qu'on retrouve chez les porcs. Quand ça entre dans un élevage, ça détruit presque tout l'élevage. Donc vous avez jusqu'à 100% de mortalité chez les porcs. Donc c'est une maladie virale et jusqu'à présent, on n'a pas de vaccin contre cette maladie. En contact de cette maladie, l'homme ne risque rien, mais peut être porteur du virus et ainsi contribuer sans le savoir à la propagation de la maladie. D'où il est important d'observer des mesures de biosécurité. La seule façon d'éviter que la maladie n'arrive chez vous, c'est d'éviter que le virus n'entre dans votre élevage. Et pour cela, il faut constituer des barrières. Il faut que les élevages soient faits en claustration. Et il faut limiter les visites. Donc au niveau de l'entrée même de vos porcheries, il faut des mesures
des pédiluves. FAO met la filière porcine au Togo dans ses priorités. Des actions sont en cours pour réorganiser le secteur. Quand on regarde le potentiel, quand on regarde l'engouement que cela donne et le fait qu'une grande partie des femmes s'intéressent à ce sous-secteur, on comprend aisément que la FAO puisse s'intéresser à ce sous-secteur à travers notre programme de coopération technique où nous comptons dans un premier temps doter le pays d'un plan de lutte contre la peste porcine africaine, mieux cartographier le secteur et pouvoir organiser davantage le secteur. Ensuite, dans la mesure du possible, appuyer quelques femmes afin d'augmenter la productivité à travers de bons géniteurs. La consommation de la viande du porc a considérablement augmenté, surtout en milieu urbain. On estime aujourd'hui à 2 kg la consommation par habitant par an. Une organisation de cette filière constituera un fort potentiel dans la chaîne alimentaire du pays.